And on this beautiful sunny day in Montreal, thousands of people are carrying umbrellas. Centraide vient amasser pour la région de Montréal seulement près de 48 millions de dollars. This is the 30th year that Centraide has been raising funds. L'organisme avait organisé pour l'occasion la marche Centraide aux mille parapluies. Montrealers carried umbrellas on this hot sunny day. Il y en a qui étaient dehors avec leurs parapluies. Oh, c'était peut-être leur parasol. En tout cas, c'était pour une bonne cause, c'était pour Centraide. Le 4 octobre, plus de 12 000 personnes ont participé à la marche Centraide aux 1000 parapluies en appui à la campagne Centraide 2005 qui vise à atteindre un nouveau sommet, 47 750 000 $. Bénévoles, donateurs, organismes communautaires, chefs d'entreprise, représentants du secteur public, des syndicats, du milieu des affaires, jeunes, enfants, familles, aînés, personnalités des milieux artistiques, sportifs et médiatiques, tous étaient présents à ce grand rassemblement qui nous démontre à quel point les fibres de l'entraide sont tissées serrées dans la grande région de Montréal. C'est une cause qui me tient à cœur parce que je suis maman, parce que je sais pas, quand on devient maman, on dirait que tout à coup, on a de l'empathie pour toutes les mamans du monde. Ça se passe une fois par année, cette marche-là. Mais les organismes, ils marchent, eux autres, à l'année longue. Alors ça aussi, c'est important de sensibiliser le public à ça. C'est continu, c'est constant et c'est nécessaire que ce soit constant. Ben, c'est important de donner à des organismes qui peuvent mieux distribuer les dons qui sont faits par la population puis les entreprises qui peuvent le faire mieux qu'on peut le faire nous-mêmes, qui savent où le besoin est. La Centraide, c'est un peu la grosse carafe qui regarde où il manque de l'eau et fait le partage. Alors, je partageais l'eau dans les verres où on a... Parce que souvent, on ne voit pas dans le verre du voisin parce qu'il est au parc. On ne voit pas qu'il manque, mais Centraide le voit. I see Centraide as the social entrepreneur. They decide on who is going to do the best job of making our society a better place to live. Ça vous fera pas mal, ça va faire du bien à ceux qui vont en bénéficier. Alors, allez-y, donnez. Quand on travaille avec les plus démunis de la société à l'année longue, qu'il y a un organisme comme Centraide qui réussit à mobiliser 200 000 personnes qui font des donations, à ce moment-là, on se dit c'est important d'être présent. On ne peut pas s'imaginer ce que 10 $, 20 $ de plus vont nous permettre de faire. Et faites votre contribution, mais engagez-vous comme bénévole. Avec Centraide, on va réussir. L'importance de Centraide, c'est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Quand on sait qu'à Montréal, il y a 513 000 pauvres, ce qui est la population totale de la ville de Québec, je pense que pour avoir des personnes en bonne santé, il faut commencer par lutter contre la pauvreté. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va devoir dans notre vie aller frapper à une porte qui est financée par Centraide, alors donner généreusement. And I see every day examples of people that have been helped by community organizations. So you're really directly helping an individual to respond to their individual needs, and that's what you accomplish when you support Centraide. Quand tu penses à Centraide, c'est la vie de quelqu'un, c'est l'épanouissement de quelqu'un, et ça, je trouve que c'est bien important parce que tu dis c'est le mieux-être, c'est la collaboration, c'est vraiment là de penser à autrui. Alors, je trouve que c'est une belle cause en soi. Un don, puis c'est redistribué ensuite. On n'a pas besoin de donner un petit peu ici et là. On sait de où ça s'en va, puis on sait que c'est bien utilisé. Mais surtout, pour vérifier comment est-ce qu'on utilise cette argent, moi, je peux vous le dire, parce que je sais qu'elle suit de près vraiment savoir où s'en va l'argent. Il faut donner. Il faut faire quelque chose. Et de plus en plus, ben, on sait, entre les riches et les pauvres, des grandes différences. Donc, il faut faire quelque chose pour appuyer Centraide. C'est magique. Puis, en même temps, ben, Centraide, ça nous aide à monter une maison, tu sais, comme monter un organisme. Regardez les sourires des gens, regardez comment ils sont heureux d'être là, de se partager, d'être dans une communauté. Mais juste regardez ça, puis pensez à votre famille, à vous, puis combien vous seriez heureux d'avoir ces services-là pour votre famille. C'est le lancement d'un grand mouvement de solidarité dans la communauté du Grand Montréal, puis en même temps de sensibilisation à ce que fait Centraide à travers ces organismes, comment on peut faire une différence. C'est une opportunité and a privilege to be here, I guess, to show that we're there. C'est tellement une super de belle cause, Centraide, aider des gens, qui aident des gens, qui aident des gens, c'est de quoi qu'on adhère, des gens professionnels et dynamiques. Alors, si on peut, la petite contribution, ça peut aider à donner vraiment l'élan et l'idée aux gens de contribuer, ben bravo. C'est l'amour!
Centraide, pour moi, c'est un organisme principal qui donne à des gens qui ont besoin. C'est un organisme qui redistribue de façon très efficace, de façon très productive, l'argent ou les montants que nous, on est prêts à retourner à la communauté. C'est une chance vraiment extraordinaire de nous aider à travailler sur le terrain avec des gens aussi qui, comme Germaine le dit, qui sont dans le besoin. C'est l'argent? C'est plusieurs organismes sous un même parapluie. Centraide, pour moi, c'est la plus belle chose que Montréal a. C'est plus beau cadeau qu'on peut faire à Montréal. La sécurité. Pour moi, Centraide, c'est aider l'avenir et bâtir l'avenir. C'est la famille. C'est l'aide aux autres, l'aide aux gens qui en ont besoin. C'est crucial. Centraide for me is solidarity. C'est le partage. La générosité. C'est l'énergie, le professionnalisme, l'entraide. C'est la vie. Mille merci aux membres du cabinet pour avoir orchestré cette campagne et aux membres du comité des événements pour avoir contribué à l'organisation de cette magnifique marche aux 1000 parapluies.